Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stonehearth en multi avec Katox. Salut Katox. Salut. Et on se retrouve donc pour continuer tranquillement notre petite aventure. Hein. Donc on va faire des designs qui pour l'instant ne seront pas fonctionnels à 100% puisqu'on doit raser des trucs, n'est-ce pas, avant. Donc il s'agirait que nos chers Earthlings se bougent le cul. Toujours faire place nette. Bah t'as vu les milliards de trucs qu'ils ont à loot, déjà. Ouais non mais après si moi aussi je peux trouver des excuses, enfin hein, c'est pas vraiment un problème quoi si tu... Bah ça, je sais pas, regarde quand même la carte. Il y a des trucs à récupérer partout. Ah oui non mais je sais, quand je dézoome là, les petits trucs rouges qui traînent, c'est la teuf quoi. Mais j'en ai deux qui sont dédiés que à porter après hein, donc c'est pas de ma faute hein, s'ils font rien. C'est ce qu'on dit. Faudrait qu'on aille jusqu'à cette montagne là, ça serait déjà pas mal. On va s'appuyer sur ce petit truc à angle droit, ça me paraît bien. Alors, allez, pas tout à fait angle droit malheureusement, c'est pas grave. Alors du coup la montagne elle est comme ça, parfait. Si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, je vous rassure, je me demande aussi. Ça commence déjà bien comme design. Non, j'ai l'idée en tête plus ou moins, mais de là à ce que je maîtrise suffisamment l'outil, ça c'est pas encore. Enfin, il y a un grand pas quoi. Il y a une démarche qui n'est pas forcément acquise. C'est ça. Alors là, ça fait combien? Vite. Il y a une compétence qui reste à acquérir. Non. Ouais mais rien que dans la... Genre pourquoi il fout pas son truc là, putain. 8. Ça sauvegarde. Attention je lâche le clic. Ouh. La violence en pleine sauvegarde, je suis un fou. Ah ouais, en plus tu nous as mis en vitesse 2 quoi, tu déconnes pas. Je fais un test et effectivement l'ingénieur il répare. Ok donc moi ça devait juste parce que c'est un glandeur qui réparait pas en fait. Non, c'est parce qu'en fait, si... Parce qu'il a tous les autres trucs activés. Ah, en oui. Fait, c'est vraiment quand il a rien d'autre à foutre qu'il va réparer. Ouais, c'est pas la priorité de réparer, bien sûr. Voilà. Mais donc, oui, il répare. On ne nous a pas manqué. Parfait. J'ai l'impression que tu fais n'importe quoi, design, là. Voilà, tu me fais un trou ici, s'il te plaît. Merci. Voilà, parfait. Alors pourquoi je fais un mur comme ça, vous me direz? Parce que en fait j'aimerais bien faire une belle base et puis après refaire un deuxième mur par dessus. Pour de faire un genre de meurtrière quoi, tout simplement. On pourrait mettre des gens dessus, même si y aura jamais aucun intérêt à les mettre dessus. Ouais, ça je trouve ça aussi dommage dans le contexte du jeu. Là que tu puisses pas... Enfin, si tu... Mais t'as le gameplay avec le mur est pas suffisamment développé pour permettre de faire des chemins de patrouille et tout sur le mur de dessus quoi. Ouais c'est clair, même ne serait-ce que poster tes archers en hauteur pour qu'ils tirent sur les mecs en bas tu vois. Bah ça tu peux les mettre dans un groupe différent et les placer au dessus. Ouais mais après, derrière faut vraiment que... ils gèrent pas du tout quoi. Bah ça je sais pas, mais faut vraiment déjà que l'ennemi arrive pile poil au bon moment, que tu les cales pile au bon moment avant qu'il rentre. Ouais putain. Alors là par contre, le gros rouge du « je peux pas construire » qui te dégueule partout, merci quoi. Ah je le vois pas pour l'instant. Non mais je pense que c'est moi, je le vois dans mon outil de design mais... Faut faire attention, ouais, dès que ça passe à travers un bloc qui existe déjà. Ouais bah là je les ai fait passer à travers la montagne en mode ça passera quand ils auront fini quoi, mais ouais. Je crois qu'on reprendra ce morceau là quand on sera là. Bah t'as ça et ça peut être rouge aussi quand il n'y a pas de support, quand il est attaché à rien. Oui et les échelles c'est considéré comme un bloc qu'il faut enlever avant. Parce que je pensais que les échelles on pouvait passer à travers mais non. En attendant d'avoir d'éventuelles portes de donjon, ce qu'on va mettre c'est ça. Ah putain, j'ai un engine error. Carrément quoi. T'es avec moi Katax encore? Bah ouais.
C'est juste la petite fenêtre qui s'est ouverte. Ouais, c'est ouverte et c'est instantanément fermé. Ouais, putain, et c'est encore réouverte. Coltraz. Stack Traceback. C'est peut-être parce que t'es... Peut-être parce que tu laisses le truc et il y a des conflits entre... Ouais, il y a des nuls dans les trucs de sauvegarde, sûrement parce que je dois un peu jouer au moment où il y a les sauvegardes automatiques qui passent. Ouais, voilà, j'ai une porte qui s'est transformée en trou. Pourquoi pas ? Pourtant, il me dit toujours que j'ai deux double doors. De toute façon, l'interface arrête pas d'apparaître et de disparaître, donc je pense qu'il doit y avoir une petite queue, comme on dit dans le métier. Du coup, est-ce que je pourrais remettre une porte là ? Non. Plus ou moins non. Hein. Plus ou moins, je vais me faire foutre en fait, c'est ça que tu me dis. Du coup, je vais me faire foutre, hein, j'ai envie de dire. Bon, bah, c'est pas mal déjà, hein, on va dire. Pour un premier jet de mur à l'arrache. Par contre, assez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sauvegarder. Comme template, voilà. Et on le reprendra quand ils auront un peu plus rasé la montagne. Parce que l'interface qui clignote, ça me fait un peu chier quand même. Oh la vache, mais en même temps, mais même Meyersling, il a que tellement quoi. Bordel. À ce point là. Ah ouais, là c'est assez violent quand même là. Ouais. Faut avouer, il se déplace 2-3 mètres à la fois. Par à coup quoi. Oh, pas cool. Bon, on a terminé un bâtiment, ça c'est cool par contre. Est-ce qu'on a assez de vegetables pour les autres là? Non. Hein. J'étais persuadé de les avoir débloqués les lapins, je sais pas ce qu'il doit y avoir un bug. Alors, ici. On va foutre de la bouffe. Voilà. Hop, ici on va mettre de la viande. Voilà. Et le lit, il a un lit lui? Non, il a pas de lit, hein. C'est juste une cantine. Hein. Ouais, d'accord. Et du coup ça, on va le dégager. Hop. Bon, ils sont où dans leur job, les gens hein. Parce que c'est pas tout ça, mais encore faudrait-il arrêter de glander 2 minutes. Hoc. Ingénieur, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire des trucs de bronze. Bah écoute, ouais, fais-moi une dizaine, hein, ça te fera de l'XP. Allez, une vingtaine, ça m'en fout. C'est pas comme si on n'avait pas la place de les ranger sur la map. N'est-ce pas? Hop, ici faut qu'on redescende vers 40 et quelques. Oula. Putain. Tag, reviens encore. Voilà, parfait. Il faut qu'on fasse des salles de stockage, après ils stockent rien dedans, donc c'est un peu chiant ça, mais bon, c'est la vie. Tiens d'ailleurs, t'avais mis combien de limites de Hearthstone? Parce que ça fait un moment que j'ai pas vu de... 26. Ah ouais, donc c'est pour ça, on est à la limite. C'est pur ça, on a plus l'objectif là tous les jours. Ah non, je vais taper ça sur... Ouais, je me souviens 26. Qu'on en avait mis une, mais je me souvenais plus à combien. Mais bon, vu comme ça on chie, je pense que 26 c'est bien. Ouais, je me demande quand même, on aura peut-être du 7 à 20. Par précaution. Ah oui, puis c'est vrai, je leur avais demandé de creuser là aussi. C'est pour ça qu'ils perdent un peu de temps. J'ai un lapin au milieu de ma caverne. Pourquoi pas.
Je les entends creuser, mais je ne les vois pas. Ce qui veut dire qu'ils sont en train de creuser au-dessus. C'est ça. Parce que les chaînes sont nouvelles. Ah, j'ai 3 mineurs quand même, il y a moyen que ça dépile un peu les trucs à miner quoi. Est-ce qu'ils ont fait la mine de fer là-bas? Pas encore hein. Alors peut-être qu'ils peuvent pas, hein, parce que j'ai pas mis ça là. On va mettre ça, un petit bloc là, voilà. Et les trucs à miner là aussi. Ouais, on est face à des glandeurs, hein, il faut le dire. Hein. Devant nous, nous avons une belle bande de moules. Attends, les mecs, on leur demande de raser des montagnes et tout, c'est quand même la classe, et qu'est-ce qu'ils foutent? Rien. Non mais, sans déconner. Du coup, s'il y a un monstre qui pop derrière le sphinx, là, pour venir, il peut pas passer par là parce qu'il y a le canal. Ah mais il y a un escalier, donc il peut traverser le canal. Ouais. Ouais. Sinon, il faut qu'il arrive par chez toi. Ouais. Bah, tu vois, je fais un peu comme toi, un double mur, quoi. Bon, sauf que je me suis moins fait chier, visiblement, j'ai juste pris le... J'ai juste pris l'outil sale, du coup j'ai un sol, mais c'est pas grave. Ah non, j'ai pas mis de sol sur mon mur, quand même. Un peu de respect pour la construction. Bah moi, ils pourront se déplacer dedans, s'ils veulent regarder ce qui se passe dehors. Moi aussi, n'oublie pas de mettre des portes, sinon ça se trouverait comme moi. À te dire, eh merde, ils sont coincés dedans. C'est bon, j'y ai pensé. J'y ai pensé. J'ai même mis des vraies portes. Enfin, pour l'instant, j'ai rien fait puisque c'est pas construit, mais j'ai même pas lancé la construction. Non, moi, je suis juste laissé. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il y a des énormes stone golems là. On va les buter, ça l'aggrave moins. Enfin, si je peux sélectionner mes soldats, bien sûr. Hein. Ah, même les stone golems ils lag quoi, c'est l'horreur, c'est complètement l'horreur. Je pense que tous les animaux qui sont sur la map aussi là, ça doit foutre la merde grave. Ah oh, bah de la pluie, bah oui. Tant qu'à faire hein, j'ai envie de dire, ça laguait pas assez. Les soldats, qu'est-ce qu'ils foutent? Il y a un clerc qui va tout seul au combat, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Ah non, c'est un herbaliste. Encore mieux, il a encore plus de chances de survie. Non mais je sais pas, il allait ramasser un morceau de bois à l'autre bout de la map, c'était plus drôle je pense. Non, c'est qui mène la marche là? C'est un soldat, il a une belle épée. J'arrive pas à cliquer sur lui. Pause. Voilà, on va cliquer dessus. Ah bah c'est Mistyz, c'est l'ami Mistyz qui charge l'épée au clair, attention. Avec sa petite épée il va attaquer les gros golems avec des yeux qui brillent. Il va faire couler la première veine de pierre, enfin n'empêche il vient de se prendre un gros coup de poing, il a même pas perdu de vie. Ça y est, troisième coup ça commence à se voir. Baston. Bah et l'autre les gars. Hop, c'est pas comme ça que... Pas là pour coller des gommettes. C'est pas comme ça que vous avez appris à l'entraînement. Non mais oh. Vous croyez quoi? Rien, en plus il a des morceaux de sapin sur la tête. Ah, ouais. Ah merde, il y a une Vader. Attends, je vais voir mes troupes, hop. Ils sont ouf. Du côté de ta tentative de mine à ciel ouvert. Ah oui, je les vois. Hop là. Allez mec, en avant. Merde, je pourrais faire cliquer dessus. Putain, j'arrive plus à cliquer dessus. Ah non, mes mineurs. Laissez mes mineurs en paix. Putain, mais j'arrive pas à leur cliquer dessus. C'est leur J total. Courez. Ah, il y en a un qui va mourir. Ouais. Ouais. Boum. Putain, ils s'acharnent dessus! Non, c'est bon, ils l'ont laissé en paix. Qui sont mes soldats qui se foutent? Courez! Quel est ce scandale? Putain, mais j'arrive pas à leur cliquer dessus, tellement ça lag, c'est ouf quoi! Ils disparaissent de sous ma souris au moment où j'appuie quoi.
c'est insupportable. M'étonne que mes mecs ils arrivent pas, c'est... Voilà, observez cette armée bien disciplinée, habillée de mailles et d'acier là. C'est quand même beau. Allez. Ils sont pas là... Ils sont pas là en touriste. Ouais, par contre ils ont pris cher, hein. La vache. Ton mec qui est 3 quarts life là. Moi. C'est parce que je sais pas où est... je sais pas où est passé mon priest. Il faisait la sieste. Bon, qui c'est qui va s'occuper de... C'est Damny qui ramasse notre survivant. Bien joué Damny. Ah non, il l'a laissé par terre. Ok, bah Damny va te faire foutre. Je suis très très déçu. Je crois que tu peux désactiver le mode alerte et quelqu'un viendra l'aider. Ah oui. C'est quoi cette blague quoi? Le mec il cherche les compliments et puis dès qu'on l'a complimenté, pouf, il lâche tout quoi. Bravo. Juste bravo. Ça te souhaite de l'avenir de cette société. Va falloir, falloir se bouger les fesses là. C'est qui vient? Orana, bah très bien Orana. T'auras un bon point Orana. Damney il sera humilié en place publique. Ça lui fera plaisir. Peut-être que c'est ceux qui cherchaient. Je suis pas convaincu. On ne juge. On ne juge pas. On ne juge pas, on ne juge pas, c'est vrai. Bon, bah on a plein de quêtes. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, c'est des vendeurs en fait, donc c'est pas vraiment des quêtes, on s'en fout. Ouais, acheter ça, ça peut être utile. Merci, au revoir. Toi. On va demander ça. Ah ouais, l'interface qui clignote, c'est assez insupportable quand même. C'est ah, toujours ouais. Ce bug qui vient et qui... Bah en fait, les trucs, ils apparaissent et ils réapparaissent quoi. Toutes les fenêtres, les boutons... C'est bizarre. Ouais, je pense que c'est le jeu qu'on chie, hein, y a pas de... Ah mais on avait déjà une farmer où et j'avais pas vu. Ouais, je suis étonné. J'ai bien deux fermiers. Ouais, j'ai deux fermiers. Ok. Tant pour moi. Tant pour moi. Alors... Et toi, tu fais quoi? Donc toi, t'es blessé, très bien. Les vegetables, là. Ouais, 5. 6, 5. C'est parti. Et on a donné... Il nous a donné 6 énergies toniques. Je sais même pas comment on les utilise, les toniques, d'ailleurs. Ils le font tout seul, ou... Tu les déposes quelque part sur la carte. Et puis, tu cliques dessus et tu fais use. Moi, c'est la manière de... Ah. Et du coup, qui c'est qui utilise? Bah en fait ça les utilise pour tout le monde dès que toi tu les actives. Ah d'accord, un tonique c'est pour tout le monde. Ouais, c'est activable pour tout le monde donc c'est très pratique. Ah c'est ultra rentable. Je sais pas ce qu'ils ont foutu les toniques. Ah putain. Ah bah tiens, ils arrivent par le canal pour une fois. Bah, et puis comme par hasard, où sont les soldats hein? Pas auprès des champs. Bravo. Genre ils sont en train de bouffer à la cantine quoi. Non mais allô. C'est à cause de vous que nos champs sont tout rasés comme ça. Je vous félicite pas. Ah ils ont un moral de merde quand même ces orques hein. Ah y'a un clair là. On va dire tant mieux. Ouais, ah oui carrément. Je vais pas trop m'en plaindre. Par contre il court vite et c'est extrêmement désagréable.
Et donc, s'ils avaient un moral un peu plus costaud, ils s'enfuiraient pas et on pourrait leur taper dessus, quoi. Allez, ce clair, il est bien coincé dans son coin, là. Terminez-le. Oula. On fera du hardcore la prochaine fois, si tu veux. Là, au moins, t'en auras... Ah bah, vu comment ça lag quand ils sont tous autour d'un mec en train de lui taper dessus... Je suis pas bien sûr que ça vaille le coup. J'espère qu'ils vont vraiment ressortir encore quelques... Voilà. Qu'ils le laissent pas dans cet état-là, quoi. Ouais, là c'est difficile à dire, hein, parce que bon, mon PC est pas récent, mais c'est quand même... Fin... Bah, je veux dire que le mien n'est pas dégueulasse, et il y a certaines parties où ça roule, nickel. Et certaines parties où tu sens vraiment que t'as fait une action et tu fais ok, d'accord, je vais. Je vais prendre un café, salut. Mais non, c'est même pas, c'est manuellement, je vais défaire la dernière action que j'ai faite. Ah, genre aller récolter tes machins ou machin, parce que c'est ça qui fait planter, tu sais pas pourquoi. Genre sur une des parties, j'avais fait une route souterraine, parce que c'est classe. Et c'était impossible, j'ai dû l'annuler parce que ça partait en couille. À un niveau impressionnant. J'avoue. Vous pouvez voir, c'est le quatrième travaux, non c'est ça, c'est le troisième. Le troisième c'était le canal amélioré, donc c'est le quatrième travaux. Ça a de la gueule hein, ton mur, hein, j'avoue. Ouais. Hein. Tu fais les petits créneaux et tout, c'est de la pierre ou c'est de la brique de... C'est de la pierre. Dans le truc de construction pierre, t'as directement un toit avec les créneaux. Ah. Ouais, sinon se faire ça à la main, non. Non, clairement pas, non. Ah bah je sais pas, moi j'étais impressionné et tout, mais d'un seul coup je revois mon opinion quoi. Non, bah écoute, on tente de refaire la même chose avec des trous dedans pour faire passer l'air sling et tout, et puis on en reparlera. Le mec jamais content. Là. Non mais c'est sympa, j'aime bien. Tu t'es bien fait chier en plus à monter sur les falaises où de toute façon personne n'ira jamais. Oui, ça c'est voilà, c'est parce que sinon c'est pas voilà, sinon c'est pas beau. Ça manque de pertinence. C'est ça. Sinon ça n'a aucun sens. Moi tu vois, je fais plus simple, rase les montagnes. C'est de la ligne droite, c'est propre, c'est clair, pas de soucis. Soldat, vous voyez une montagne là? Oui chef, moi je ne la vois pas. Faites en sorte que... Ah non, même pas, c'est tu dis moi je ne la vois pas et tu te casses. Tiens. Un grand mouvement de cap, hop. Et ils doivent deviner eux-mêmes qui... prenez les dispositions nécessaires. En sous-titre, démerdez-vous. Ah, les flammes s'allument, attention, c'est la fête. En sauvegarde là, non? Et surtout avec les flammes plus la pluie. Non, ça va. Je viens d'avoir un mec qui monte de niveau, donc on n'est pas en sauvegarde. C'est juste que c'est absolument l'orgie. Ah bah voilà un mec bien. À peine sorti du lit, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne miner. Ça, c'est un gars comme on les aime. Allez hop, au taf. Il est en train de chialer là, il a son pansement, il était 1000 life, mais non, il va miner, pas de problème. Ouais, et puis je me demande pourquoi est-ce que mon moine est toujours introuvable, c'est parce qu'il est en train de heal les Earthlings qui se sont fait défoncer. voilà, écoute. Je vois pas de quoi tu parles. C'est... Non, mais je vais t'envoyer la facture, y'a pas de soucis. Utilisation du moine plus le trajet. Sachant qu'il y a un forfait de base pour le déplacement. Et là vous voyez, il m'envoie son armée pour me punir là, attention. Non, c'est même pas ça, s'ils se sont déplacés eux-mêmes. Moi j'ai rien fait moi là-dedans. Ils poursuivent le clair. Je me suis demandé où est-ce qu'ils étaient, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et puis en fait ils vont soigner un pauvre péon de chez toi. Ah merde, il y a des Varanus qui ont popé dans mes futures murailles. Voilà ça. Ça tombe bien, ils sont à côté. Attends, là j'ai cliqué sur le bouton combat. J'essaye de voir apparaître mon truc, ça y est. Je peux cliquer sur la petite attaque et là j'attaque. Ah ouais, ça devient tendu, hein. Franchement ça devient tendu. Pourquoi j'ai la musique de fin? Ils sont déjà morts? Ils sont pas morts?
D'accord. J'ai eu la musique de combat qui s'est lancée, puis elle s'est arrêtée d'un coup. Hein. Mais c'est bizarre, parce que moi, dans les calculs que j'ai une grande partie qui est encore sans attribution. Donc... Là, je vois mes troupes qui arrivent. Ça y est, la musique de combat se relance. Ouais, ça va devenir franchement injouable à un moment, quoi. Bon, de toute façon, après ce combat-là, on arrêtera cet épisode, mais... Ah, c'est con parce que c'est fun quand même à jouer quoi. Mais... Ouais, mais bon, il faudra peut-être la dernière mise à jour date d'il y a un mois ou deux donc. Ouais, mais du coup, je pense que ça doit être chiant à regarder aussi. N'hésitez pas à me dire les viewers du coup dans les commentaires si c'est regardable quoi. Parce que bon, j'essaie de bouger, on discute, on décrit des trucs donc bon, l'image qui lag un peu derrière c'est un peu chiant, mais ça va quoi. On n'est pas dans un FPS. Mais si c'est vraiment trop chiant, n'hésitez pas à me dire, hein, on pourra en reparler. C'est marrant, j'ai Bunny qui est en train de décéder. Oui, il y a ça aussi. Mon moine se déplace exprès pour soigner ton putain de lapin. Ben non, mais pourquoi il mange pas? On a vraiment plus rien à bouffer de végétable, sérieusement? Ben, convertis-toi en végé. Fais du végétarien, on sait rien. Non mais c'est inquiétant parce que si du coup j'ai des gens qui sont végétariens et que aussi décèdent, bon le bunny c'est un peu triste mais à la rigueur je me remettrai quoi. Rabbit feed, bah écoute tu vas me tenir genre 20 rabbit feed dans l'inventaire, c'est parti. Ce serait bien triste quand même, hein. Bunny va décéder. On le mettrait dans une boîte. Mais en anglais, d'ailleurs, il y a ça fera box aussi. Bunny. Putain. Merci quoi. C'est rien, si tu n'as besoin de rien, je suis ton homme. Allez, on va activer un énergie tonique. C'est parti. Ah, mais en plus, on a un autre Bunny là. On a Shine qui est en train de décéder aussi. Putain, il va crever Rocco, je crois. Rocco, la petite bestiole de Hibou le cocu. Je suis désolé, mais il te reste 17 PV. Ah non, il y a quelqu'un qui te soigne. C'est bien gentil. Il y a tellement de jeux de mots à faire, mais tellement. Ah bah bien sûr. Toujours, ça, toujours. Ouais, ça c'est... T'as ton petit animal Rocco, tu vois, tu le mets en charpentier. Et après, en fait, il s'est trompé, et ici, un mec qui s'appelle Freddy, tu vois. Ça fait Rocco aussi Freddy, quoi. Non, mais c'est... C'est un scarabée, voilà. faut arrêter, quoi. Ouais, bon, laisse-moi espérer. Je travaille mon propre cancer de l'humour, ça me fait plaisir. Ah, mais on sent l'effort, hein. Je dirais pas le contraire, ça, hein. Ça m'arrache un bout de moi-même à chaque fois. Dans la douleur. En plus, j'avais dit qu'on arrêtait l'épisode, ça va pas du tout. Je vais juste vendre les trucs qu'il y a à vendre, genre ça. Et du coup, pause. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous serez curieux de savoir si on va réussir à sauver Bunny le lapin. Ou la lapine d'ailleurs, hein. On ne sait pas. Et la non-binaire. La non-binaire, c'est ça. On sait juste qu'elle est herbivore et qu'elle est hungry. Voilà, on en sait pas plus. Et encore, tu l'as catégorifié en tant que lapin. C'est parce qu'elle a des poils, donc oreilles, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu honteux de ma part. Ça se trouve, vu qu'elle est à côté du scarabée, en fait, c'est un scarabée. Ouais. Nous ne pouvons pas alors savoir. C'est une pivoine. Pivoine. Qui es-tu pour juger? Non, mais elle est à côté des nains de jardin, donc tout est possible. Des gnomes de jardin, pardon. Bref, ouais. Alto Troll, n'hésitez pas à nous dire hein, si ça vous semble toujours regardable, parce que moi, de mon point de vue, c'est vrai que ça commence à être un peu hard à jouer, là. Donc si ça vous fait chier aussi, si c'est chiant, bah tant pis, hein, on met en pause, et puis on essaiera de voir s'il y a une mise à jour qui réglera ça plus tard. Bah même s'il y a une mise à jour, je pense qu'il faudra relancer une game, parce que... Pour que le truc s'applique. Peut-être, ouais. On verra.
Enfin, dans tous les cas, donnez-nous notre avis, parce qu'après tout, les viewers, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour au moins un épisode de plus. Merci à toutes et à tous. Salut.